Summertime, moi j'aimerais me l'entendre. Sérieux? J'aimerais qu'elle retombe, tu vois, comme ça, histoire de... À 350 degrés, voilà. Voilà, à point quoi. C'est bon. On s'est rencontrés comme ça et puis il m'a dit voilà, moi j'écris des chansons, je suis auteur-compositeur et il m'a fait écouter une chanson à l'époque qui s'appelait Dire, qui est d'ailleurs la première chanson qu'il m'a écrite et qu'on a mis sur ce premier album, l'album éponyme. Et en fait, il a eu de la force pour deux à ce moment-là parce que moi justement, j'étais au début de la vingtaine, donc tous les doutes et toutes les insécurités qu'une jeune gamine de 20 ans peut avoir, et en même temps avec toute l'ambition, enfin le mélange, le paradoxe. L'ambition était déjà là, c'était là qu'il y avait la présence du cul. Hein? Toujours. Et c'est ce qu'il voyait, il me dit toujours, il y a un truc caché derrière cette somme, cette montagne d'insécurité que tu as, qui est... Enfin, que je veux t'aider à aller chercher, mais c'est toujours tout ce qu'il me dit d'ailleurs. Tu sais, quand tu dis tu rencontres ton âme sœur musicalement, tu te dis enfin bien quelqu'un sûr. Qui comprend. Je chante une mélodie et il comprend exactement où je veux aller, de quelle manière je veux écrire des chansons, comment je veux placer ma voix. Des fois, tu co-écris avec des gens et c'est difficile, tu oui, trouves pas ta place. Pas la même base, pas la même culture, pas la même sensibilité tout musicale, fait. Tout simplement. Tout à fait. Hein? Et là, j'ai découvert vraiment qu'on pensait la même chose. Passionné par les mêmes artistes, par les mêmes influences, ouais. Les mêmes sonorités, le même monde. Confiture aux bananes. Ah voilà, ah, voilà. La meilleure des meilleures. C'est une horreur. Moi je vais